إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً نبيه ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد

Nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et lui se lancer le nombre et les tendances de l'âme. Certainement l'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. J'atteste donc il est le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed Ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, ses frères prophètes et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et qu'Allah nous fasse l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce cercle, cercle de rappel, donc un des jardins du paradis, comme l'a enseigné le meilleur des hommes, Mohammed alayhi wa sallam, en compagnie donc de Karim, la technique, qu'elle le compense par le meilleur, et vous, par votre fidélité, votre confiance, et ça n'a pas de prix. Donc le salam à nos auditeurs d'Amérique, d'Afrique, il y en a beaucoup, d'Europe, c'est peut-être les plus nombreux. Qu'Allah vous bénisse et vous accorde ce que vous recherchez. Une science utile. Une science utile, c'est celle qui est basée sur la vérité. La science, c'est Allah a dit, le messager a dit, les compagnons, ils ont dit, qu'Allah les bénisse tous. Utile parce qu'on la met en pratique. On la met en pratique et c'est ce pourquoi nous essayons de partager avec vous ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné. Et donc, aujourd'hui, dans cet épisode 4, de, du sens des épreuves. Nous allons aborder une partie, seulement une partie, une courte partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et son amour vis-à-vis -vis de ses créatures. En effet, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, quand il a créé, c'est qui a tout créé sans besoin, il a divisé sa miséricorde en 100 parties. Il a fait descendre une seule de ces parties et de cette partie procède le fait qu'une jument lève le pied quand elle met bas pour ne pas écraser son poulain. Donc toute miséricorde entre les créatures d'Allah provient de ce centième de sa miséricorde depuis qu'il a créé jusqu'à ce qu'il hérite de la terre et ce qu'elle contient. Il a gardé les 99% de sa miséricorde pour nous pardonner au jour du jugement dernier. Et comme il le disait à l'Israël, celui qui connaît la miséricorde d'Allah, si plutôt l'incroyant, celui qui prétend ne pas croire à Allah, s'il connaissait la miséricorde d'Allah, il n'aurait jamais ou il n'aurait pas désespérer de rentrer au paradis Par contre Comme il le complète souvent Si le croyant connaissait la rigueur d'Allah Sa justice Il ne N'espérait pas sur le paradis En effet Allah est juste Tous ses actes Disait Ibn Qayyim quand l fasse miséricorde, Aussi il entre d'une part sa bonté Sa miséricorde, sa générosité Et d'autre part sur sa justice Qui elle est basée sur son omniscience Si c'est tout Et sa sagesse il sait bien sûr les conséquences. Il sait ce qui est, ce qui a été, ce qui sera. Ce qui n'a pas été, ce qui avait ce que ce sera. Il est loué sur la terre, loué dans les cieux. Loué par tout ce qui s'est loué. Simplement, nous ne comprenons que très peu les, leur louange. Tout est soumis à Allah. Tout loue Allah subhanahu wa ta'ala, le pécheur comme l'obéissant. Tout ceci n'est dû qu'à sa louange. rabbil la semaine dernière, donc, nous avons vu la cause de nos péchés, la cause de nos épreuves. Les épreuves ici sont réduites à ce qu'on n'aime pas. Parce que, nous, comme nous l'avons dit, tout est épreuve. La vie même est une épreuve. Toute la vie est épreuve. Celui qui a créé la mort est la vie pour nous mettre à l'épreuve, pour distinguer les véridiques de, des menteurs, les sincères des hypocrites. Et donc, Allah, il est sage. S'il a créé tout ceci, c'est en pure sagesse. Sa miséricorde l'emporte sur sa colère. Nous avons déjà également dit, vu la semaine dernière ce verset, dernier verset de la surat 35, le Father, verset 45, Allah dit, s'il s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Okay. Notion qu'il reprend dans la surat 16, verset 61. Donc la question qu'on se pose souvent, c'est pourquoi Pourquoi Allah a fait ceci. Pourquoi Allah ne m'a pas donné cela Pourquoi Rappelons-nous ce verset 23 de la Surat 21, les prophètes al Verset 23, Allah dit al, hum On ne lui demande pas. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Et eux, ils seront interrogés. Donc, l'interrogation, si elle est bien dans le fait, comme on l'a vu la semaine dernière, Qu'est-ce qu'elle a voulu me faire parvenir comme message Il faut s'interroger effectivement. Parce qu'une mauvaise habitude de beaucoup d'entre nous, de cette communauté, c'est de renvoyer les causes secondes à autre que soi-même. À autre que soi-même. On a tendance donc à accuser l'autre. C'est la faute de mon père, il ne m'a rien appris. C'est la faute de ma mère, elle était ceci. C'est la faute de mon voisin, c'est la faute de mon mari, c'est la faute de mon épouse. Alors qu'en réalité, et comme vous le savez, on l'a déjà traité, en tout cas c'est une expression que j'ai déjà utilisée, qui est une conviction, c'est que dans un conflit, tu as au moins 1% de tort. Ne vois pas les 99%, et généralement c'est 50-50 plutôt. Ne vois pas les 90% de raison ou 90% de tort chez l'autre, chez l'adversaire ou l'autre partie, on voit plutôt les 50%, même 10%, même 1%. C'est elle qui a commencé, c'est toi qui a commencé, mais en réalité, si ton Satan, tu, tu n'avais pas, tu t'étais pas laissé aller à tes passions, tu aurais tout simplement compris que la personne n'est pas en face, n'est pas dans ça, dans son assiette. Tu, tu verras que la personne a une baisse de foi, tu verras que la personne a été énervée pour telle et telle raison, tu lui trouveras des excuses, et alors tu n'aurais pas répondu, tu aurais plutôt contribué à la consoler plutôt que à rentrer en conflit avec la personne et peut-être que par là Allah subhanahu wa ta'ala aurait apaisé les choses. Pourquoi Allah fait ceci Pourquoi Allah fait cela Commençons comme nous avons commencé par sa miséricorde. Le prophète sallam, il a dit en substance, il n'arrive pas au croyant une maladie, une fatigue, des soucis, des angoisses jusqu'à la piqûre d'épine, sans que Allah ne lui enlève un péché ou ne l'élève en degré. C'est le miséricordieux. Donc, s'il t'arrive ce qui t'arrive, ma sœur, contrairement à ton, à ton interprétation, à tes prétentions, et même je dirais, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela Un, c'est de l'irrespect. Deux, c'est signe d'ignorance. Qui es-tu, ma soeur Qui es-tu, mon frère pour que Allah il te donne à manger, à boire, il te donne la santé, il te fait respirer, il te donne la joie. Combien de gens sont tristes, comme les gens dépriment, comme les gens ont beaucoup plus que toi et ils n'en profitent pas, angoissés, stressés. Et avec le peu que Allah t'a donné, il est le seul riche. Tu quand même tu en profites et même tu arrives à l'apprécier. Tu arrives à l'apprécier. Donc qui es-tu pour poser des questions à Allah? Pourquoi Allah me fait ceci? Je dirais, je te répondrai, parce qu'il est sage. Pourquoi Allah te veut ceci? Parce qu'il est miséricordieux. Et c'est que les, les épreuves que nous traversons, et nous n'avons pas été les plus éprouvés. On verra plus tard, Allah, comme l'a dit le professeur. Aujourd'hui on va appeler épreuve bah, désire, pas ce qu'on désire, ce qu'on n'aime pas. Ce qu'on n'aime pas. Les plus éprouvés, on sait, ce sont les prophètes, ils amenaient le bien, la miséricorde. Allah dit, wa ta'ala, s'agissant de son prophète, Nous t'avons envoyé, au Mohammed comme miséricorde pour les univers. Et quelle miséricorde C'est par lui que Allah a ouvert les yeux des aveugles. Et ce n'est sûrement pas, comme Allah l'a défini, si bien, les yeux qui sont aveugles, mais c'est le cœur qui est, qui est dans les poitrines. Verset 46 de la Sourate 22. La ta'ma, elle Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles. C'est pour cela qu'un jeune qui, qui Allah a éprouvé par ce qu'il aime, qui n'avait qui, qui ne voyait pas, un non-voyant pudiquement, quand on il connaissait le Coran par cœur, on a dit Mais tu dis que tu n'es pas aveugle Il dit Oui, je ne suis pas aveugle. Parce qu'Allah dit dans la sourate al-hajj 22 le pèlerinage hein, verset 46 ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles c'est bien le cœur qui est dans les poitrines et donc euh, Allah subhanahu wa ta'ala les plus éprouvés ont été les prophètes salatu ils apportent le bonheur ils apportent ce sans quoi tu ne seras heureux ni dans ce monde ni dans l'au-delà surtout dans l'au-delà ce monde est éphémère éphémère est ce qu'il contient maudit même ce qu'il contient sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé l'enseignant et l'élève et nous sommes tous dans une déposition soit on apprend soit on enseigne et donc Allah subhanahu wa ta'ala il est celui qui sait tout s'il t'a éprouvé comme ils ont demandé au Prophète sallam d'où cela nous vient dit le Riyad Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur Ali, Ali Imran après, après Ohod qui a été le sujet de notre Live du mardi dernier, dis-leur, ça vient de vous-même. Verset 165, si ma mémoire est bonne, de la surat Ali Imran. Dis-leur, 70 martyrs, c'est parce que vous avez désobéi à l'envoyé d'Allah. Il ne parlait pas de lui-même. Il a été inspiré. Il vous a demandé de monter sur un mont et pour défendre la communauté de Mohammed, les amis d'Allah et son armée. Et ne descendez de là pour rien au monde, même si vous voyez des charognards sur nos corps, même si nous sommes tous morts, ne descendez pas. Et Allah dit N'associe rien à Allah. Et tu lui associes, tu mets ton espoir à autre que Allah. Allah te dit Si tu demandes, mets ton espoir à Allah. Si tu demandes, demande à Allah. Si tu demandes secours, demande secours à Allah. Allah vient pour beaucoup d'entre nous après. Pour ne pas dire. Tout lui appartient. Et pourtant, comme le disait quelqu'un, je trouvais ça très joli, Allah on donne le reste. Quand j'aurai le temps, je prie quand j'aurai le temps. Je donne, quand j'aurai le reste. Je donne d'abord, n'est-ce pas? Que la charité est bien ordonnée, dit le proverbe français, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui, bien sûr. La réalité. Comme l'a dit le professeur, il y a Aisha tu veux dire qu'on a tout gagné du bélier ou de l'agneau, sauf ce qu'on a mangé, sauf l'épaule. Islamiquement parlant, celui qui croit en nouveau jour du juin dernier ne dit pas que je garde tout et finalement je, je commence par moi même. On a vu la lune, ensuite la lune, ensuite la lune. Deux mois. Dit notre mère à la on n'a pas vu sortir de la maison du professeur Salam de la fumée. Et on lui dit, mais de quoi vous viviez Ça, c'est le meilleur des hommes. De quoi vous viviez Elle a dit des deux noirs. Les savants expliquent, c'est l'eau et les dettes. Dans la maison du meilleur des hommes. Amar bin Khattab, Radiallahu ta'ala. car nous réunisse au paradis. Lui il est au paradis. Quant à nous, Allah se sait où on sera. Car nous accorde le paradis. Et l'amour des gens qu'il aime, Allah l'a aimé, le prophète Sassam l'a aimé, les gens de, les croyants l'aimeront nécessairement, parce que tu ne saurais aimer Allah sans aimer les gens qu'il aime. A commencé bien sûr par les prophètes et les gens qui les ont accompagnés. Par qui? Allah nous a transmis ce qu'il a aimé, à savoir l'islam, la foi. Ammar bin Khattab, un jour meilleur qu'aujourd'hui. Il est venu trouver le prophète sallam il a demandé la permission de rentrer. On connaît l'histoire. Le prophète n'était qu'un homme. Il s'était séparé de ses femmes pendant 29 jours. Mais Omar a entendu qu il les avait divorcé, y compris sa fille Hafsa. ta'ala Quand le prophète sallam lui a permis de rentrer, il a trouvé le prophète wa sallam, il a posé la question "J'ai entendu, j'ai appris" Que tu as divorcé avec tes femmes, il a dit non, je me suis séparé d'elles. Je ne me suis pas, parce qu'elles avaient des exigences. Elles étaient des femmes. Elles n'étaient pas parfaites, nous non plus. Elles avaient des souhaits, elles avaient des envies. Elles se sont mises à revendiquer. Et Allah leur a envoyé ce qu'il leur a envoyé de la Surah 33 au prophète, à Yuan Nabi, dit à tes épouses, si c'est la vie de ce bas monde que vous préférez, venez, ta'ala, je, je vous donne double salaire. Mais si c'est Allah et son messager que vous préférez, Allah a réservé à celles d'entre vous qui sont pieuses un énorme salaire. Omar ibn Khattab a, trouvé, a vu le Prophète qui était couché et il s'est redressé donc il a vu des traces. De la natte sur laquelle il était couché, sur les traces de ses côtes, les traces de la natte sur laquelle il s'était couché, sur ses habits. Il s'est mis à pleurer. Il a dit à Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, toi qui es le meilleur des hommes, toi tu dors à même le sol, alors que les rois télés de ce bas monde dorment dans des palais sur des lits surélevés. Il a dit à Omar, est-ce que tu ne veux pas que nous soyons, que leur part leur ait été donnée ici et que nous soyons, nous, favorisés et les seuls favorisés dans l'au-delà Oui, certainement. Quand Allah aime quelqu'un, a dit le prophète il lui, il lui éloigne la vie de ce bas monde. Il lui éloigne l'amour, bien sûr, de la vie de ce bas monde. C'est-à-dire que le bas monde ne représente pas grand-chose. Sinon, c'est un terrain fertile fertile pour celui qui croit en l'au-delà. C'est que Allah lui prête, il le redonne. Et c'est ce qu'il a gagné. Trois choses accompagnent le mort, on le sait. Sa famille, ses biens et ses bonnes œuvres. Ou ses œuvres plutôt, bonnes ou mauvaises. deux retournent, les deux premières, sa famille et ses biens. Si on peut parler de bien, ça lui appartient plus. Ça s'appelle de l'héritage. Ça s'appelle de l'héritage. Et ses œuvres. Et le véritable héritage. C'est ce que le professeur a laissé aux savants, donc c'est la science. Celui qui en a eu une part, a eu beaucoup. A eu beaucoup. Nous avons dit, ce monde est maudit. Maudit est ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah, le vicre, dans les conditions qui sont définies par le meilleur des hommes, non comme définies plus tard par des innovateurs en train de danser, de chanter en groupe, etc., ce n'est ceci, bien entendu, s'éloigne de ce que Allah aime et qu'il a clôturé par la, le rappel du meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'adoration, tout est interdit sauf ce qui est permis. Et les gens prétextant l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala ont inventé des façons de se rapprocher d'Allah et Allah ne l'accepte pas. C'est le meilleur des hommes qui a dit dans le hadith de Aïcha, qu'Allah un des trois hadiths sur lesquels, sur lesquels sont basés l'adoration, tout le bonheur. Après l'intention, le hadith d'Omar, il y a ce hadith. Celui qui apporte à notre affaire, celle-là, ce qui n'en fait pas partie, est à rejeter. Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé, donc les prophètes alayhim, salam. Ensuite, les gens de plus en plus proches d'eux. Tout le monde est éprouvé pourtant. Toi qui n'acceptes pas et qui ne comprends pas pourquoi ta voisine, qui n'est pas voilée, a des enfants, et toi, on m'a fait cette remarque il n'y a pas longtemps, comment se fait-il Moi, je me suis voilée depuis un an. Je fais mes prières à l'heure. Remercie Allah, ma soeur. Et ma voisine, elle ne prie pas. Elle n'est pas voilée, elle a des enfants. Alors que moi j'en veux, Allah ne me l'a pas donné. Parce que tu t'es voilé, grâce à Allah. Parce que tu fais tes prières, grâce à Allah. Tu vas reprocher maintenant à Allah d'avoir été éprouvé, de ne pas avoir un enfant. Et celle qui n'est pas voilée, celle qui ne fait pas sa prière, pourquoi, pourquoi Allah lui donne ce que toi tu veux Pourquoi Allah lui donne ce que toi tu veux Parce que tu ne connais pas Allah. Allah, c'est par pure miséricorde qu'il ne t'a pas donné ce que tu veux. Ne veux-tu pas, ma soeur, que Allah subhanahu wa ta'ala, au travers de tes soucis et de ton angoisse et de tes voeux non remplis, ne veux-tu veux, veux pas que tu rencontres Allah avec moyen de péché pour ne pas dire sans péché? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il aime quelqu'un, a dit le Prophète, il l'éprouve au point qu'il le rencontre sans aucun péché. Ce que nous oui. considérons comme les pauvres, hein? ceux qui sont, ceux qui meurent tous les jours, soit de famine soit des maladies, soit ceci, cela, c'est toi qui les appelles les pauvres. Le pauvre, en réalité, c'est toi, parce que tu n'as pas de cœur. Le pauvre, c'est toi. Allah tend la corde, a dit le professeur Allah, à l'injuste, il lui tend la corde. C'est-à-dire, il lui donne tout ce qu'il veut, ou presque, avant de le saisir. Quand il le saisit, sa saisie est terrible. Parce qu'il le saisit avec ses péchés. Il le saisit pour ne pas lui pardonner. Parce qu'il a été injuste. Quand tu vois les gens profiter de cette vie, sauf exception, ne te réjouis pas. Omar ben Khattab, je reviens encore sur lui, qu'elle a la Sous sa responsabilité, les musulmans ont connu, ont eu beaucoup de richesses. Beaucoup de gens étaient contents, parce qu'ils ne manquait de rien pendant dix ans. On dit qu'il se disait cela n'a rien changé à l'homme qui dormait à même le sol sous un arbre, qui refusait de manger du pain, tant que toute la communauté n'avait accès à ce mets. Il mangeait avec quoi Avec ses trois doigts, il prenait du pain, et ce n'était pas de la meilleure qualité, Qui trempait dans de l'huile d'olive. Ça, c'était le Amir et le, le prince des croyants. Le gouverneur des croyants. On disait, malgré cette vie austère, qu'est-ce qu'il disait On lui fait dire :« Je crains que Allah nous ait donné notre part dans ce bas monde. Je crains que Allah nous ait donné notre part dans ce bas monde. Ça veut dire qu'on est en paix. » Et le prophète qu'est-ce qu'il a dit Celui qui se lève au matin, en toute sécurité, qui a de quoi manger se lève le matin, en toute sécurité. Il a de quoi manger. Satisfaire, donc, pour sa journée. C'est comme si, et sain de corps, plutôt, en bonne santé. C'est comme s'il avait le monde et ce qu'il contient. En effet, celui qui a plus que toi, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a la sécurité? Tu l'as. Il a de quoi manger? Bien sûr, beaucoup plus que ce dont il en a besoin. Est-ce qu'il va tout manger? Certainement pas. Il est en bonne santé, toi aussi. C'est comme si tu avais... Tu peux pas avoir de ce beau bon monde plus que cela. C'est comme si tu avais tout ce beau bon monde et ce qu'il contient. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala quand il ne t'a pas donné cet enfant que tu attends, repartons dans la parole d'Allah, la vérité. Prenons la sourate 18 verset 60 et suivant. Quand cet homme L'homme vert, comme on l'appelait, Al-Khidr, alayhi salam, rencontre Moussa, alayhi salam, et Allah a parlé de vive voix à Moussa. Wa Allahu Moussa, taklima. Et Allah a parlé de vive voix à Moussa, comme il est dit dans la Sourate Les Femmes, 4, verset 164. Wa Allahu taklima. Allah a parlé de vive voix à Moussa, et pourtant il n'était pas le plus savant. Il rencontre cet homme. Allah l'a éprouvé par les fils d'Israël hein, et Allah sait qu'il a souffert avec les fils d'Israël. Quelqu'un a pris le Sassan par le col. Quand il a donné aux gens une partie du butin, l'homme lui dit Ce que tu viens de faire, ce n'est certainement pas pour plaire à Allah, ce n'est pas pour la face d'Allah. Il sait, il a rougi, puisqu'il était, quand il était le plus pudique des hommes, quand il n'aimait pas une chose, ça se voyait sur son visage. Hein. Il a rougi, ensuite il a dit, qu'Allah fasse miséricorde à mon frère Moussa. Il a entendu ou il a subi beaucoup plus que ça. Moussa, il rencontre cet homme. Il veut le suivre pour apprendre. On a dit, pour la troisième fois, ce monde est maudit. Maudit, ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah, ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. Puisque Allah lui a révélé au travers d'une question d'un fils d'Israël qui est le plus savant, il a dit, c'est moi. Allah lui dit, ce n'est pas toi. Qu'est-ce qu'il a voulu, puisque je ne suis pas le plus savant, pour enseigner Oh mon Dieu, permets-moi d'apprendre. Allah lui donne ce que vous ignorez, beaucoup d'entre nous en tout cas. Il lui donne des ordres. Et il va avec son page, celui qui l'accompagnait, et Allah lui donne des signes qu'il est sur la... Bonne voie, là où le poisson va disparaître, c'est là où il va qu reviennent, qui rebourse chemin, c'est là où il va rencontrer quelqu'un de plus savant que lui. Et Allah est le seul savant en réalité. Allah lui a enseigné ce qu'il ne savait pas. Moussa le rencontre après que le poisson soit passé dans la mer et Moussa lui demande la permission de l'accompagner. C'est ainsi que nous avons appris ce que nous avions appris, en tout cas au pays, c'était comme ça. Tu suivais le maître, tu le respectais, tu prenais ses affaires, tu les transportais avec lui. Tu vois comment il agit, tu vois comment il parle, de comportement. C'est si important. C'est pour cela que nos pères et mères, nous en tant que parents ou grands-parents, devons faire très très attention à nos comportements. En effet, les enfants sont des éponges. Les gens nous regardent, nous observent et parfois même nous calomnient. Nous jugent au travers de nos comportements. On ne les fait pas pour eux, mais le comportement est extrêmement important. C'est comme ça que eux, nous avons appris ce qu'Allah a voulu que l'on apprenne. Moussa elle demande donc la permission de suivre cet homme. Est-ce que je peux te suivre? Pour que tu m'enseignes quoi Parce que tu sais, pour que tu m'enseignes, ce que Allah t'a enseigné. L'homme lui dit, tu ne saurais me suivre, me supporter. Tu seras pas assez patient. Les épreuves que tu vas vivre avec moi, tu ne saurais les supporter. Alors, ce que je te conseille, c'est plutôt ce que j'exige, c'est que tu ne me poses pas de questions avant que je te donne la réponse à ces épreuves que nous allons vivre ensemble. Ça lui promet. Tu me trouveras à Allah, les forces les Il n'y a de force et de puissance que par lui. Tu me trouveras patient. Alors si tu me suis, dit-il, tu ne me poses pas de questions avant que je te donne l'explication des choses. Et nous, nous sommes là. Et pourquoi ceci Et pourquoi cela Pourquoi pas ceci Et comment cela se fait-il Comme si Allah était injuste. Allah, il est parfait. Dans son être, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes. Sa perfection exige, est exigée par son être. Allah est juste, même si on ne comprend pas. L'homme lui dit Tu ne sauras être patient à ma compagnie. Comment pourrais-tu être patient pour accepter des choses dont tu n'as pas l'explication Et nous sommes tous ignorants, beaucoup plus bien entendu que Moussa, alayhi salam qui lui au moins, et a été informé qu'il ne savait pas des choses, il voulait les apprendre au moins. Et voilà, l'histoire est belle et est longue. Je vous invite à, à lire l'explication de ces versets 60 et suivant. Toujours est-il que Moussa a promis de ne pas lui poser des questions avant qu'il ne réponde à la question. Avant qu'il réponde tout seul plutôt. Ils vont ensemble. Et ils font du stop. Ils veulent prendre, ils veulent voyager. Et les gens, bien entendu, ne les ont pas pris. C'est un hadith, long, l'explication, en tout cas, dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, pour ceux qui veulent plus de détails. Et dans ces versets 60 et suivants de la Surah 18. Mais l'explication, la trouve dans l'imam al-Bukhari, dans son sahih, dans son authentique. Lui qui est la référence en matière de hadith. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc ils vont, on refuse de les prendre, comme ça arrive souvent. Et voilà que un couple ou des pauvres, dans un navire, les voient et reconnaissent cet homme. Cet homme, on l'appelait l'homme vert. Quand il s'asseyait quelque part, Allah a voulu, sur un terrain vague, quand il s'asseyait, quand il se relevait, l'endroit où il s'était assis était couvert d'herbe. C'est pour cela qu'on l'appelle Al-Khidr, l'homme vert. L'homme vert. Ils ont, ils ont reconnu cet homme. Donc ils l'ont pris, de même que son compagnon. En pleine mer, l'homme a commencé à faire des brèches. L'homme a commencé à faire des brèches. Et Moussa, al-Islam, étonné de cette attitude, qui n'est pas raisonnable, on dirait, que la raison ne cerne pas. Et quelle est la place de ta raison par rapport à la révélation? La raison en fait, bien entendu, pour te guider vers la révélation, vers la croyance, à celui qui n'a besoin de rien, celui qui a tout créé sans besoin, celui qui prouve à tout besoin. Rien n'arrive, hein, ni sur la terre, ni dans les cieux sans sa permission. Sa volonté agissante. Moussa de s'étonner. Tu fais des brèches dans le bateau, tu vas nous noyer. L'homme lui dit. Je lui rappelle plutôt, ne t'avais-je pas dit qu'il ne serait pas passé en ma compagnie Et Moussa s'excusait. Son père a oublié, notre père Adam. Moussa a oublié. Il se présente ses excuses, bien que prophète, bien que l'un des cinq meilleurs hommes que la terre a porté, ou il présente quand même ses excuses. C'est pas parce que tu es prophète, c'est pas parce que tu es l'époux, c'est pas parce que tu es le père, que tu ne demandes pas pardon. Si tu t'es trompé, tu dois te demander pardon. C'est de l'humilité. Ou alors ça devient de l'orgueil. Et comme l'a dit Ibn Mas'aoud, qu'à la il a rapporté du prophète, celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur rentrera en enfer, qu'à purifie. C'est l'orgueil qui a amené Satan à refuser à désobéir à Allah, à refuser de se prosterner devant Adam. Cet orgueil, c'est moi. Qui, moi, je suis un prophète, moi. Moi, je suis ton époux. Moi, je suis ta mère. Et alors et après, celui qui peut dire moi, c'est Allah. Anarabukum. C'est Allah qui dit Je suis votre Seigneur, je suis votre Dieu, le seul digne d'adoration. Moi, dit Allah. Anallah, la ilaha illa. je sais moi qui est le Dieu, point de divinité en dehors de moi, qui doit être adoré. Alors Moussa s'excuse. C'est un exemple. Si Allah nous narre tous ces récits, bien entendu, c'est pour nous éduquer. Moussa s'est excusé pour que nous ne pas s'excuser. Qui est-on pour ne pas s'excuser Non, non, c'est ma bonne. Non, c'est moi ceci. Moi, je suis. C'est ce qui a mené Satan en enfer, car il nous en préserve. Et donc voilà que Moussa s'est excusé. Excuse-moi, j'ai oublié. L'homme de l'excuser. Ils descendent du bateau. Ils vont là où Allah seul sait. Ils rencontrent des enfants en train de jouer. L'homme prend un de ses enfants et le tue. Moussa, de s'exclamer Comment tu tues un enfant, un innocent qui n'a rien fait Tu viens de faire une chose horrible. Et bien, j'ai entendu. C'est un crime. Et quel crime Assassiner un enfant qui est en train de jouer. C'est inadmissible. Alors, nous, on est là. On monte sur nos grands chevaux. Comment se fait-il que, au Yémen, comment se fait-il que les gens meurent de ceci? Comment se fait-il que, le tremblement de terre en Turquie et en Syrie? Comment se fait-il que, oui, comment se fait-il que tu ne te taises pas? Tu n'apprennes pas? C'est plus la bonne question que tu dois te poser. Cet homme a tué un enfant. Bien entendu qu'il est injuste. Il a fait un acte injuste plutôt. Mais si ça a été révélé, si cet enfant est mort, Allah l'a décrété 50 000 ans avant qu'il ne crée les cieux et la terre. Et Allah est juste. Et Allah sait. Et toi, tu ne sais pas. Moussa de se révolter. Je dis à juste titre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit C'est-à-dire, d'entre vous qui ont un fait blâmable, man yara min kum munkaran fal yu biyade. Fa ilam yastate fabi disani Fa ilam yastate fabi qalbi. Allez, ça va. Azalika. Karat Iman. Hadith rapporté par les musulmans. celui d'entre vous qui voit un fait blâmable, qu'il le change de sa main, on en a parlé samedi dernier, dans la Dawa. S'il ne peut pas par sa main, parce qu'il n'a pas les capacités de le faire, il n'a pas l'habilitation à changer ça de sa main, qu'il le change de sa langue. Au moins qu'il désapprouve la chose. Qu'il montre aux gens que c'est n'est pas ce qu'Allah aime, qu'Allah l'a interdit, qu'Allah interdit toute injustice. Et s'il ne peut même pas le faire par sa langue, alors qu'il le change dans son cœur, qui désapprouve la chose. Moussa ne pouvait pas le changer, bien sûr, de ses mains. Cet homme a tué cet enfant. Qu'est-ce qu'il lui dit Au moins par sa langue. Il a désapprouvé. Il s'est désolidarisé. de Cet homme et son acte, et c'était ce qu'il fallait faire. C'était un prophète. Ce fut un prophète. Et quel prophète Un messager. L'un des meilleurs hommes que la terre a porté. Moussa dit tu viens de faire un crime horrible. L'homme lui dit. En guise de réponse, ne t'avais-je pas dit que tu ne serais supporté, tu n'aurais pas assez de patience à m'accompagner? Ça lui promet, en effet, je te permets encore d'être plus, un peu tolérant, d'accepter ma compagnie. Si jamais une troisième fois arrive, que je te pose une question avant que tu répondes, avant que tu m'en donnes plutôt l'explication, alors je te permets de me congédier. Et l'homme d'accepter. Ils vont dans un village, ils demandent l'hospitalité, on leur refuse à manger, à boire un toit. Et ils se retirent. Et il se retire. Et en se retirant, l'homme voit, Allah lui permet de voir un mur qui penchait. Un mur qui penchait. L'homme retrouve ses manches. Voilà quelqu'un qui sait, voilà, une occasion qui se présente. Et ne se présentera pas jusqu'au jour du jugement d'Allah. Quelqu'un qui croit en Allah au jour du mois dernier ne passera pas à, cause, à côté des, des au monde, des occasions que Allah lui met sur son chemin. Il n'y a pas de hasard. Si tu passes à côté d'un éprouvé, c'est pour au moins que tu remercies Allah de ne pas être à sa place. Si tu passes à côté d'un nécessiteux, c'est pour que tu l'aides ne serait-ce qu'avec que, que, que par un sourire. Quand tu passes à côté de quelqu'un, et tu peux aider, Allah te met cette occasion, mais elle ne reviendra pas jusqu'au jour du jugement dernier. Et comme le disait un des frères, il n'était pas prophète, quand je l'ai remercié, mais comment, pourquoi tu fais tout ça Il m'a dit, si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Je vous assure, c'est beau. Ne te dis pas, mais si je ne le fais pas, qui va le faire C'est ce que nos sœurs, nos frères disent, mais écoute, hein, il faut bien que je le fasse. Parce que si je ne le fais pas, qui va le faire Mais qui tu es Allah t'a mis, il t'a fait miséricorde. Il t'a mis sur ton chemin une occasion de faire le bien. Si tu ne le fais pas, il va donner cette occasion à quelqu'un d'autre parce que tu n'en veux pas. Tu ne veux pas faire le bien. Ah, j'ai assez fait. Ah oui, ta balance, tu penses qu'elle elle est, elle est assez lourde au jour du jugement dernier Tes péchés, tu les as oubliés Tu penses que tu n'as plus besoin d'Allah Tu n'as plus besoin de l'aide d'Allah Tu n'as pas besoin de la providence Tu n'as pas besoin de la miséricorde d'Allah et le meilleur des hommes disait, les actes d'aucun d'entre vous ne le feront rentrer au paradis. Il dit même toi, il dit même moi, si ce n'est que Allah va me faire miséricorde. C'est par miséricorde d'Allah que tu arrives à comprendre le sens de ce que Allah veut, la foi. Et ensuite, il te permet, il te met sur ta route quelqu'un qui est éprouvé et qui te demande de l'aide ou pas. C'est une chance qu'Allah te donne pour remplir ta balance pour l'alourdir ta balance. Ce n'est pas ah mais j'ai autre chose à faire. Si j'étais pressé, je suis pressé et puis on me demande ceci. C'est que Allah a préféré t'éprouver par ça, même si tu es allé à la mosquée. Ibn Qayyim fasse miséricorde, il dit cette chose très très belle. Je vous assure très belle. À la fin de la prière, par exemple, tu es là en train de tu as prié grâce à Allah. Tu es venu à la mosquée grâce à Allah. Allah t'a donné la foi. Il t'a permis combien de gens prient à la maison, tu as permis d'aller jusqu'à la mosquée, mon frère. Et tu arrives, tu termines, tu es en train de dire, ⁇ Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, 33 fois. Et voilà quelqu'un qui vient, ⁇ Est-ce que tu peux m'indiquer la route de ceci ?⁇ Tu lui montres le, la main. Je suis en train de ⁇ Laisse-moi, je suis avec mon Seigneur. Laisse-moi avec mon Seigneur l'adorer. Patiente. ⁇ Ibn Qayyim disait, ⁇ Ce que Allah aime le plus. Ceux que Allah aime le plus, c'est les gens qui sont au service des autres, hein. qui leur montrent le chemin du bien. Ce sont les prophètes, sallam, Ensuite, les gens qui les suivent. Ça dit que tu as préféré, toi, adorer Allah comme tu veux, alors que Allah a voulu que tu te soumettes à ses ordres, à l'adorer donc, à ce qu'il aime, c'est d'indiquer le bon chemin à quelqu'un. C'est de répondre, c'est d'enlever l'ignorance à quelqu'un qui est ignorant. Et donc, un homme disait, en tout cas on lui fait dire, si Allah me donne ce que je veux, je suis content. Mais s'il ne me donne pas ce que je veux, je suis dix fois plus content. Et on lui dit, mais comment ça Il dit, parce que si Allah me donne ce que je veux, c'est qu'Allah m'a donné ce que je désire. Mais si Allah ne me donne pas ce que je veux, c'est qu'Allah m'a donné ce que lui, il veut. Ce que lui, il aime. Tu veux adorer Allah, Allah met sur ta route ce qui est meilleur pour toi. C'est pour cela que quand on appelle à la prière, par exemple, tu es en train de lire le Coran, bien sûr, chaque lettre fait 10 Hassanat. C'est la parole d'Allah, n'est-ce pas, révélée, infaillible. Mais on appelle à la prière. Oui, mais ça, je connais. On m'appelle, mais je suis déjà dans la mosquée. Non, la meilleure attitude, c'est de choisir la meilleure chose à faire, c'est-à-dire... Arrêter de lire le Coran que tu peux lire plus tard. ladan, c'est de répéter les mots du mieux -un. Parce que quand ces mots passent, tu ne pourras plus. C'est voilà une occasion de perdre jusqu'au jour du jugement dernier. Alors que la, la, le lire le Coran, tu, tu, tu pourras le faire. Quand tu seras seul, à un autre moment, alors que quand l'appel à la prière passe, tu as raté l'occasion d'avoir la même récompense que le mieux -un. Et si on savait l'importance qu'Allah a donnée à l'appel à la prière et qu'on n'a pas d'autre façon de désigner le mieux qu'un tirage au sort, on l'aurait fait comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'as-tu pas vu que le prophète sallallahu alayhi wa a interdit de faire des invocations dans la géniflexion, dans le rukoua Il a interdit de lire le Coran dans le rukoua, de lire le Coran dans le soujoud. Sauf, bien entendu, en tant qu'invocation. Ne vois-tu pas Alors que Allah aime bien les invocations. Le professeur Sallam a dit, al-ibada Ibada, si tu veux savoir qu'est-ce que l'adoration, la définition la plus simple et la plus correcte, c'est l'invocation. L'adoration, en fait, c'est l'invocation. Et pourtant, Allah l'a interdit dans le recours, il l'a interdit dans le sujoud. Tu dis Rabbi al Azim wa bihamdihi, wa Parce qu'à ce moment-là, ce que Allah aime, ce n'est pas ce que toi tu aimes, ce que Allah aime, c'est de le glorifier, le gloire, louange, à mon Seigneur le dimanche. C'est ce qu'il veut que tu dises quand tu es plié en deux, quand tu es dans le recours. Quand il y a le front contre terre, et ce qu'il veut, ce que tu dis, ce qu'il aime, c'est subhan, Rabbi ala wa bihamdihi, gloire, louange, pureté, mon oh Monseigneur le très élevé. Il aime ça plus que ce que toi tu vas inventer. Donc commence par ça, c'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce pas ce que toi tu aimes, c'est ce que Allah a aimé, qu'il lui a enseigné pour qu'il nous l'enseigne. Pour revenir à notre récit. L'homme vert va redresser le mur. Moussa, là, il est content. wa Toi, au moins, tu n'es pas comme eux. Si tu avais voulu, tu aurais demandé un salaire. Ils nous ont refusé à manger. Ils nous ont refusé à boire. Ils nous ont refusé un toit. Et là, tu redresses le mur pour rien. Tu ne demandes même pas un salaire. Ça, ce sont les prophètes. Ils appellent au bien et leur salaire incombe à Allah. Ils ne demande pas un salaire. L'envers de lui rappeler, je t'avais bien prévenu que tu ne serais pas patient à ma compagnie. Maintenant que tu as posé, pour la troisième fois toi-même, tu as fixé notre séparation à trois questions. Et donc maintenant, on va se séparer. Mais avant de nous séparer, je vais te donner l'explication de ces trois choses que tu n'as pas pu supporter, que tu n'as pas pu patienter pour en avoir l'explication. Et si Moussa n'a pas patienté, ce n'est pas nous qui pourrons patienter. C'est l'un des cinq meilleurs hommes que la Terre a porté à ça Il dit le bateau. Le bateau appartenait à deux orphelins. À, à des pauvres plutôt. Appartenait à des pauvres. De ce qu'Allah sait, puisqu'il sait tout. Devant nous, il y avait un roi injuste qui confisquait tous les bateaux en bon état. Comment tu peux le savoir, toi Comment tu peux le savoir j'ai voulu que le bateau, parce qu'il y a des brèches dans le bateau, que le bateau échappe à cet injuste. Là, Moussa Alessandro Salam se rappelle, c'est vrai, ils sont arrivés, ils ont trouvé de très beaux navires qui sont confisqués en réalité. On les a arrêtés comme à la douane et on a vérifié, on voulait peut-être leur prendre leur, leur, le navire qu'ils occupaient, des pauvres. C'était leur moyen de production, comme l'aurait dit Karl Marx. C'était tout ce qu'ils avaient pour pouvoir travailler, gagner leur vie. Et Allah a voulu que par cet acte injuste, pas par l'homme qui n'est pas injuste, par cet acte injuste, qui a voulu qu'un qu homme fasse des brèches, il, il se rappelle, Moussa, ils ont vu une armée qui a inspecté leur navire. Quand ils ont vu des brèches dans le navire, qui n'a pas coulé, contrairement à ce qu'ils craignaient, alors, ils ont laissé passer le navire parce que c'est pas intéressant il y a des brèches on va pas quand même pas ça ça nous intéresse pas et c'est pour cela que le proverbe dit parfois à quelque chose mal bon tu veux absolument l'épouser tu veux absolument avoir des enfants tu veux absolument faire ceci cela et si Allah se le sait ce qui n'est pas si ça avait été c'est que ce serait tu comprends mieux pourquoi il y a des choses qui arrivent que tu ne comprends pas quant à l'enfant toi qui attends un enfant toi qui espère un enfant, je suis marié depuis 20 ans, je n'ai pas d'enfant, j'ai je, je, je perdu mon enfant. Il dit, cet enfant, que j'ai tué entre guillemets. Et pourtant, l'a dit dans la surah 5, verset 32, c'est pour cela qu'on a ordonné au fils d'Israël, celui qui tue un enfant sans raison, sans, sans justification législative, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Celui qui tue un homme innocent. C'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Celui qui sauve grâce à Allah une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Comment imaginer que tu as tué un enfant Bien entendu que c'est interdit formellement. La législation humaine l'interdit. Allah l'a interdit. Il l'a comparé à tuer l'humanité entière. Et pourtant il l'a fait. Ton enfant il est mort. Comment ça s'est fait ça Il dit l'enfant était l'enfant de deux croyants. C'est pas toi ni moi. Puisque nous ne savons pas si nous sommes croyants, nous espérons l'être. C'est Allah qui dit, Amal abawahu quant à l'enfant, c'est l'enfant de deux croyants. Mais nous avons craint, c'est-à-dire Allah m'a révélé que cet enfant, s'il avait grandi, il allait détourner ses deux parents croyants de la foi. Lui-même allait aller en enfer, et les deux parents allaient en enfer avec lui. En lui reprenant la vie, Allah a voulu leur donner un enfant meilleur qui va les aider dans leur religion. C'est deux croyants. Ce n'est ni toi ni moi. Allah révèle qu'ils sont croyants et Allah te dit que ces deux croyants, c'est parce qu'il les a aimés. C'est pour cela qu'il leur a évité d'aller en enfer. C'est pour ça qu'il a donné la foi et qu'il a conservé la foi, qu'il les a accompagnés après leur avoir éprouvé par cet enfant qu'ils aimaient tant. Il a quand même voulu que cet enfant meure pour leur donner un enfant meilleur, pour les aider à aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, à l'adorer comme il le faut. À l'adorer comme il le faut. Il dit donc que cet enfant était destiné à l'enfer, comme l'a dit le prophète sallallahu dans d'autres versions. Allah, par pure miséricorde, par amour pour ses parents, a voulu les sauver de là. Il a voulu les sauver de là pour les amener vers son agrément. En leur donnant un autre enfant qui va être pieux, bien sûr, s'il avait voulu, il aurait, fait, il aurait fait de cet enfant un enfant pieux. Non, il a voulu que mettre la foi dans un autre qui va venir et tester ses parents qui, bien entendu, avaient le cœur lourd quand ils ont vu cet, injuste, cet acte injuste. Mais Allah est juste. Mais ils ont certainement accepté ce tort d'Allah parce qu'ils l'ont connu, parce que c'était de véritables croyants. Quant au mur, dit-il, le mur appartenait à des pauvres, à deux orphelins. Mais quand leur père, c'était deux orphelins, ils ont perdu leur père à bas âge. Leur père connaissant Allah, a mis l'espoir en Allah. L'héritage qu'il avait, il ne pouvait le confier à personne. Leur père a voulu mettre en cet héritage, il a creusé un fossé, il a mis ce qu'ils avaient comme héritage de ses enfants qu'ils ne pouvaient confier à personne, à ces méchants, et il a demandé à Allah croyant à Allah, se confiant à Allah de protéger l'héritage de ses enfants. Et en effet, il a creusé donc une fondation. Il a mis ce qu'il avait comme richesse. Et il a monté un mur, demandé à Allah que ce mur ne tombe que quand les enfants seraient grands. À ce moment-là, ils allaient, ces enfants, redresser le mur. Et en redressant le mur, ils allaient... Creuser la fondation, ils allaient trouver quelque chose qui, à ce moment-là, étant grand effort, personne ne pouvait le leur confisquer. Et voilà donc l'explication, dit il, des trois choses que tu n'as pas pu comprendre. Allah ne fait que le meilleur. Au lieu de remercier Allah, nous sommes ingrats. Pourquoi Allah me fait ça? Pourquoi Allah ne me donne pas ça? Allah sait ce qui est, ce qui sera, ce qui a été, ce qui n'est pas, si ça avait été, c'est que ce serait, ma soeur. Patience, ça n'a pas été donné. Il n'a pas été donné à quelqu'un quelque chose de plus vaste, de plus utile que la patience, comme l'a dit le professeur. Quand il t'arrive ce qui t'arrive, surtout si tu n'es pas responsable de ça, c'est une épreuve. Est-ce que tu vas remercier Allah Parce que si tu connais Allah, tu ne peux que le remercier parce que ce qui t'est arrivé, c'est la meilleure des choses. Pourquoi Parce qu'il est l'omnipotent. Allah fait ce qu'il veut. S'il ne t'a donné que ça, s'il a voulu te mettre dans cette position, c'est que c'est la meilleure façon pour épurer ton cœur et le reste, pour aller dans une position que tu ne peux pas savoir, que tu ne peut veux même pas parce que tu es ignorant. Le prophète a dit il y a des serviteurs d'Allah. Il y a des serviteurs d'Allah qui, à qui Allah a réservé une place. Mais leurs œuvres ne leur permettent pas de l'atteindre. Alors Allah les éprouve pour leur accorder cette place-là. Ne veux-tu pas, ma soeur Ne veux-tu pas, mon frère Être l'un de ceux-là qui, au travers de l'épreuve d'Allah, et c'est Allah qui va t'assister, l'accepter pour que Allah t'élève en degré. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de bonnes actions. Et pourtant, Allah les a purifiés a purifié leur cœur. Si Allah ne t'aimait pas, il ne t'aurait pas éprouvé, il ne t'aurait pas enlevé des péchés, il, aurait, il les refait de toi comme ceux qui n'ont aucune part dans l'au-delà et ils seront nombreux. Cela, Allah leur aura donné tout ce qu'ils veulent ou une partie de ce qu'ils veulent plutôt dans ce bas monde pour ce qu'ils ont fait. On a dit qu'ils étaient beau, qu'ils connaissaient le Coran, qu'ils qu ont donné leur vie, qu'ils ont fait ceci, c'est ce qu'ils cherchaient en fait, l'honneur, les apparences. Allah leur a donné ce qu'ils voulaient. Femme et enfant, il leur a donné des pouvoirs, il leur a donné des moyens de subsistance, il leur a donné de, de, de belles voitures. Ça ne veut pas dire que tu n'en as, tu, tu as pas le droit, si, simplement dans quoi tu vas l'utiliser. Ne pense pas que celui que tu vois et que tu envies malheureusement parce que tu es ignorant, ne pense pas que Allah l'aime. Ne pense pas que ce qu'Allah te donne, ce soit du bien pour toi. Allah sait et toi tu ne sais pas. Allah sait et toi tu ne sais pas. Si Allah t'a éprouvé ma sœur par ce que tu n'aimes pas le minimum c'est de le remercier parce que ça va t'enlever même des soucis qu'aucun d'entre nous n'aime et pourtant nous avons de sens nous serons tous soucieux forcément quelle que soit la personne Allah a mis une sunna une façon d'être Allah a mis des règles tu passeras par là Allah sait que si tu ne sortais pas par ce trou de souris tu n'arriverais pas à là où il veut c'est-à-dire à ce qu'il aime ne préfères-tu pas ce qu'Allah aime par rapport à ce que tu aimes quand tu prétends aimer Allah C'est parce qu'Allah t'a aimé. Allah t'a purifié pour te rencontrer alors que tu n'as aucun péché ou pour te pardonner des péchés. Allah seul sait le nombre de nos péchés. Donc connais Allah. Si tu connais Allah, certainement tu vas l'aimer. Et cela ne suffit pas comme on le verra, puisque le temps passe vite. On n'aura pas le temps de parler de cet amour d'Allah et son prix. Mais c'est parce qu'Allah t'a aimé. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, quand il éprouve même un non-croyant, vous, vous pensez que c'est pourquoi? Il a besoin du non-croyant? Ah, c'est dommage, je n'ai pas croyant, non. Quelqu'un, au travers de la mort d'un proche, au travers d'un accident, au travers d'une maladie, revient vers Allah. Et il n'y a pas mieux que le fait de revenir vers Allah. Parce que non seulement Allah pardonne, mais Allah purifie, mais en plus Allah aime la personne et la rapproche. N'as-tu pas vu ce qu'il a fait? Adam salam il a désobéi à Allah. Allah lui a pardonné. Allah a mis le repentir dans son cœur. Il est revenu vers Allah et Allah l'a élu. Allah l'a rapproché. Allah sera tout sera. Un homme musulman, il lui arrive ce qui lui arrive. Combien d'entre eux sont venus à l'islam au travers de malheurs Ce que nous, on appelle malheur qu'on n'aurait peut-être pas supporté. J'en connais un qui, je vous ai peut-être raconté cette histoire, il travaillait dans une compagnie de chemin de fer. Il était un jour d'astreinte. On l'a appelé parce qu'il manquait un agent. Il est parti. Et il devait coller. Il devait mettre deux wagons ensemble. Et voilà qu'un train qui passe et qui lui écrase un membre. Aujourd'hui, il a un bras et une jambe. Il a dit que c'est à travers de ça qu'il est revenu vers Allah. Ah, le pauvre. C'était un jour férié. Il devait même pas travailler. S'il devait pas travailler, il n'aurait pas travaillé. 50 000 ans avant qu'Allah ne crée les cieux et la terre, Allah a décrété qu'il lui arriverait ça. Mais qu'est-ce qu'il en fait quand je lui ai commence Il dit Je suis mieux qu'un roi tel. je me sens bien. Parce qu'Allah lui a donné ce qu'il ne donne qu'aux gens qu'il aime, c'est-à-dire la foi. Toi, tu es là en train de râler Et si, il n'avait pas fait ça, et si, et si, et si. Si tu n'avais pas été créé, tu n'aurais pas été un philosophe en train de te poser les mauvaises questions. Oui, pose-toi des questions, ma soeur. Pose-toi des questions, mon frère. Pourquoi il m'est arrivé ça Et tu auras la réponse dans le Coran. Dis, ça vient de toi-même. Tout bien vient d'Allah, comme Allah dit Subhanahu ta'ala. Tout bien vient d'Allah. Si vous arrivez du bien, sur la 4, verset 79, si vous arrivez du bien, ça vient d'Allah. Si vous arrivez ce que vous n'aimez pas, ça vient de vous-même. Et ce qui vient de nous-mêmes, c'est une faveur d'Allah sur nous pour nous pardonner, pour nous purifier. S'il si ne nous aimait pas, il nous aurait laissé. Sans nous purifier, tu aurais eu le monde et ce qu'il contient. Au jour du jugement dernier, c'est le, le plus heureux dans ce bas bon monde. J'entends matériellement, il me n'était pas heureux. Parce qu'on ne saurait être heureux sans Allah. Quand il va rentrer, quand on va par justice, quand Allah va le faire tremper en enfer, et une seconde au moins, on va lui demander est ce que, moi, est -ce que tu as déjà été malheureux. Il va être heureux plutôt dans le bas monde, il va jurer par Allah qu'il ne l'a jamais été. Et on va lui demander, est-ce que si tu avais ce bas monde, tu l'aurais dépensé pour ne pas connaître le sort que tu, que tu connais aujourd'hui, il va jurer par Allah qu'il l'aurait certainement dépensé et il sera sincère. Mais Allah va dire, on t'a demandé beaucoup moins que ça. On t'a juste demandé d'attester qu'Allah, c'est le mérite de l'adoration. Et tu ne l'as pas fait. Voilà donc quelques notions, je m'arrêterai là allah, quelques notions pour qu'on relativise nos analyses, que l'on réalise que nous sommes ignorants et qu'on demande pardon que nous sommes des ingrats, Allah nous veut du bien et en réalité, très peu de gens en sont conscients. Et c'est pour cela que certains parmi les meilleurs certainement, ils n'aimaient même pas que la l'épreuve passe parce qu'ils savent tout le bien dans les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savent que Allah ne fait que le bien, que le meilleur, je dirais. Qu'Allah Subhanahu wa Taala nous accorde cette connaissance de Lui et nous permette de la réaliser au moment où les choses arrivent, les choses désagréables. Mais Allah ne fait que le meilleur. Qu'Allah bénisse les prophètes qui ont été les plus éprouvés. Qu'Allah nous enseigne ce qui nous sera utile et qu'Allah fasse de nous des serviteurs reconnaissants et non des philosophes. Subhanak Allahumma bihamdika. Ashhadu illa Anta والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته